Et tous ceux qui pensent, ouais, c'est n'importe quoi, parce que j'ai vu des commentaires, ouais, n'importe quoi ce qu'il raconte, il n'y a pas besoin de faire ça, avant tout, c'est une question d'énergie. Bah, je suis désolé de vous dire, bah non, c'est pas une question d'énergie. Avant tout, ce qui est intéressant, c'est qu'il soit gentil et qu'il soit respectueux. Tous les gars de la friend zone, ils sont gentils, ils sont respectueux. Et pourtant, il n'y a aucune meuf qui va vers lui, qui va vers eux. Alors bonjour et bienvenue sous cette nouvelle vidéo. Yes les gars, que vous allez bien. Tu connais, hein, abonne-toi, hein, tu connais la chanson, hein, tu me vois sur toutes les vidéos. À un moment donné les gars, et déjà mets un like parce que tu sais que tu vas aimer. Donc tu peux déjà mettre un like, t'abonner, tout ça. Voilà, une fois que ça c'est fait, ici c'est Jonathan Hatchi. L'idée de cette chaîne, c'est pour te permettre d'être déterminé, passer à l'action, tu connais déjà. Avoir une vie sur mesure, quoi, être libre, c'est tout ce qu'on veut, ok? Donc pour ça, il faut de l'argent. Tu as une étude de cas où tu es libre de pouvoir y accéder, où je te montre comment j'ai fait les 20-40 semaines, ok? Je te montre le produit, les stratégies marketing, je te montre tout en fait. Ok, donc à un moment donné, si t'as pas fait 20K, tu es libre de pouvoir y accéder. Ou sinon, continuer ta vie comme ça. Voilà. Arnaque. Ah, calmez-vous un peu, les gars. Les gars, c'est toujours là. Arnaque. Alors, ta vie est une arnaque, Gérard. Qu'est-ce que tu racontes? Ok, donc c'est pas compliqué. Les gens qui ont des résultats que tu n'as pas, c'est parce qu'ils savent des choses que tu ne sais pas. Donc la connaissance, les gars, qu'on pouvait la saisir, prenez-la. Ok, c'est gagnant-gagnant. Moi, je vous montre que c'est possible, que tu vois que c'est vraiment vrai. Tu oh, c'est chaud, tout ça. Et qu'après, tu veux un plan vraiment détaillé, bah boum, c'est chez moi que tu viendras. Tu vois, c'est juste logique, gagnant-gagnant, tu vois. Les gens qui essaient d'arnaquer les gens, ils durent pas longtemps. Parce que quand tu carottes un gars une fois, il dit ah ben lui c'est un carotteur, donc il revient plus. Tu vois ce que je veux dire? Ça n'a pas de sens. Hein. Si tu penses long terme, tu mets pas d'arnaque. Voilà. Bref, ça c'était la petite parenthèse. Et les gars, pas d'excuses, j'ai grandi à Évry dans 4 ans, j'ai redoublé mon BEP. J'ai grandi le quartier des pyramides et pourtant j'ai réussi à être libre, les gars, j'ai réussi, voilà. Arrêtez les excuses, les gars. Juste passe à l'action et découronnez un peu. Voilà. Et passons directement au sujet de la vidéo. Il n'est pas si difficile de faire partie du top 20% des hommes. C'est pas si compliqué que ça. Alors, tu dis, ouais, mais pourquoi, c'est quoi cette histoire des top 20%? De quoi tu parles exactement? Alors, déjà, ça fait plaisir de faire partie des top 20%. Hein, c'est toujours mieux que de faire partie des gens de la moyenne. Et surtout, hein, une étude a montré que les femmes sont attirées par le top 20% des hommes. Ah là, ça te parle plus déjà là. Hein. Là, ça t'intéresse plus. Hein. Je te sens à l'écoute là. Là, je sens que ça m'intéresse ça. Ok, les gars. Donc du coup, il y en a beaucoup qui se plaignent, ils disent « Ouais, mais voilà, parce que les femmes, faut savoir, c'est pas juste les belles femmes qui sont attirées par le top 20%, c'est toutes les femmes, ok ? Qu'elles soient des femmes moyennes ou pas, elles sont toutes attirées par le top 20% des hommes, ok ? Et donc du coup, il y en a, ils chialent, ils disent « Ouais, c'est abusé, c'est n'importe quoi, j'en ai vraiment marre, vraiment, je veux regarder des vidéos Red Pill, ah là là, c'est vraiment toutes des mêmes, ah là là, pour ce qu'a l'argent, ah là là, ah là là. » Calme-toi, calme-toi un peu, Gérard, c'est normal. Normal qu'elle soit attirée par le top 20%. C'est sérieux toi? Toi aussi t'es attiré par le top 20% là, toutes les meufs que tu mets là sur Instagram là, quand tu mets des likes là. Ta 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 ta. Oh là là, tu es trop belle. Oh là 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 là. Hein? Voilà, bah c'est pareil pour tout le monde, tonton. Soyons justes. Bref, en tout cas, c'est pas le sujet de la vidéo. Mais du coup, c'est pas si compliqué que ça de faire partie des 20%, du top 20%. Des fois, on se fait plein de films et tout, mais c'est pas si compliqué que ça en vérité. Et tu sais pourquoi c'est pas si compliqué que ça? Je vais te dire pourquoi. Parce que la plupart des gars, alors là, j'ai pas de stats, donc je vais pas te donner de chiffres. Tu sais qu'on est déjà au-dessus des 50%, ok? On est au-dessus des 50% large, ok? Parce que la plupart des gars sont des fainéants. C'est aussi simple que ça, en fait. En fait, ta compétition, c'est quoi? C'est un gars qui travaille de 9 à 7, ok? Qui boit des bières, qui fume, ok, qui se laisse aller, qui mange mal, du coup donc pas d'énergie, qui prend du poids au fur du temps, au fil des années, qui gagne en moyenne 2K et encore en moyenne 2K, c'est peut-être ça peut être un peu moins, qui a une voiture, qui regarde le sport à la télé, qui le week-end va faire des barbecues, et voilà, c'est ça, et qui va sortir, voilà, c'est ça ta concurrence, ok, et ça quand t'es comme ça, tu fais partie des bons gars. Tu vois, je te parle pas de tous les gars qui ont abandonné et qui n'ont même pas de taf. Tu vois ce que je veux dire? Donc ça, c'est les gars normaux déjà. Donc c'est ça ta compétition. Donc concrètement, si jamais tu fais un petit effort, parce que ça veut dire que ces gens-là, ils font rien de spécial. Ils sont juste dans la moyenne. Ils sont là et ils vivent, tu vois. Ok? Donc tout ce que tu as à faire, c'est de faire mieux que le gars que je viens de te dire. Je pense que c'est pas compliqué quand même. Hein? Je veux dire que faire partie des 20%, que ce soit au niveau de... Déjà, juste, tu vas à la salle de sport déjà. Tu vas plier tout le monde.
tu manges correctement, déjà tu vas piller tout le monde. Tu vois, c'est, tu vas faire partie rapidement des 20%. C'est pas compliqué, ta compétition elle est éclatée. C'est pas par la compétition que tu vois si jamais c'est difficile de faire partie d'un certain groupe. Mais je vois pas trop de compétition, tonton. Tu vois une compétition? Il y a une compétition ici? Il y a quelqu'un? Non? Ah, il y a personne. Et voilà. C'est comme ça, les gars. Donc déjà, inscris-toi à la salle. Vas-y régulièrement. J'ai déjà fait une vidéo de pourquoi c'est important en tant qu'homme d'aller à la salle de sport. Ok? Vas-y, déjà juste le mental pour pouvoir persévérer et aller à la salle de sport régulièrement. Déjà, ça va créer un truc dans ta tête, genre en mode shift. Genre, tu vas basculer en mode guerrier, quoi. Tu vois? Tu vas persévérer. Ça va te donner un mental qui va te permettre d'avoir le mental pour pouvoir exceller dans tous les autres domaines, que ça soit créer un business. C'est pas compliqué, c'est pas, tu crées un business, juste tu fais 5-4 par mois, t'as déjà plié tout le monde, tu fais déjà partie des 20%. Et 5K, les gars, c'est pas la mer à boire, les gars. Faut juste se lancer. J'ai pas dit que c'est facile, attention, calme. Non mais Gérard, va pas dire que ouais, Jonathan a dit c'était super facile et les gars ils disent jamais que c'est difficile. Calme-toi un peu, hein. Non, c'est pas la mer à boire, mais il va falloir taffer quand même. Mais ce que je veux dire, c'est que tu y arriveras largement avant que ton pote qui s'est lancé en médecine atteigne la fin de ses études. Ok, les gars, quand même, pour toucher 5K par mois, ou il y en a qui arrivent à 10K, oui, c'est vrai. Mais les gars, quand même, il faut des 13 ans d'études. Et ça, c'est pour les généralistes, hein, ceux qui vont les options plus loin, là, genre radiologue, tout ça. C'est des années en plus. Je dis ça, j'ai rien. Donc, quand tu vas commencer à travailler et à te lancer, de toute façon, à partir du moment où tu te lances déjà, tu commences à lancer un business, un truc. Même si tu faisais 500 euros, même si tu fais 1000 euros, déjà tu commences à gifler plein de gens déjà. Je veux dire, même si, imagine, tu fais 2000 euros avec ton taf, tu refais 2000 euros avec ton business. Ok, déjà, si tu fais 2000 euros, tu vas pouvoir faire 5. Ok, mais bon, bref. Prenons le cas, le scénario le pire. Tu fais 2000 euros, genre, avec ton travail, 2000 euros avec ton business en ligne. Bah, gars, ça y est, t'as déjà plié tout le monde déjà. Parce que les gens, ils ont même pas. Les gens, ils veulent juste consommer, regarder des vidéos de chats, regarder les performances des gars qui font du sport, hein, football, machin, c'est tout. C'est ça qu'ils font, les gars. Donc, dès que tu vas commencer à faire un truc, tu vas piller tout le monde. Donc, c'est ça qu'on appelle les alphas. Le top 20%, c'est forcément des alphas. Ok, on parle pas que financièrement, tu vois. C'est 20% aussi au niveau du body, tu vois ce que je veux dire, hein, au niveau du physiquement, comment tu te présentes, comment tu t'habilles, ton leadership, ok, ton argent. Hein, je rappelle, les gars, c'est l'argent ne suffit pas. Souvent, les gars, ouais, non, mais de toute façon, elles veulent que l'argent, etc. Et c'est grâce à ça que c'est n'importe quoi. Vraiment, j'en ai marre. Elles nous utilisent pour l'argent. Ok, elles t'utilisent pour l'argent parce que tu n'es pas red pill, déjà, ok, et tu n'es pas un alpha. Au niveau de l'état d'esprit, okay. De toute façon, être un alpha, c'est un état d'esprit. C'est être d'une manière, okay. Le seul problème, c'est que si tu n'as pas l'argent, eh ben, sur le long terme, ça va être compliqué. Mais par exemple, un gars qui a un bonhomme et qui a la mentalité alpha, mais qui n'a pas l'argent, il va pouvoir gérer d'ego. Mais c'est juste que l'ego, après, ne vont pas rester avec lui sur le long terme parce qu'elles ne peuvent pas se projeter avec lui. Elle se dit, mais lui, comment on fait? On va avoir des enfants et on va vivre où? Voilà, tu vois. C'est pour ça qu'il faut être dans tous les piliers au top et faire partie du top 20%. Ce qui n'est pas difficile, c'est le sujet de la vidéo. Et tous ceux qui pensent, ouais, c'est n'importe quoi, parce que j'ai vu des commentaires, ouais, n'importe quoi ce qu'il raconte, il n'y a pas besoin de faire ça, avant tout, c'est une question d'énergie. Bah, je suis désolé de vous dire, bah non, c'est pas une question d'énergie. Non, avant tout, ce qui est intéressant, c'est qu'ils soient gentils et qu'ils soient respectueux. Tous les gars de la friend zone, ils sont gentils, ils sont respectueux. Et pourtant, il n'y a aucune meuf qui va vers eux. Donc, c'est tous les gens qui ne sont pas d'accord avec ce que je dis. Ils galèrent, ou c'est des femmes, du coup, elles savent pas, ou je sais pas, ou c'est des gars qui galèrent, qui galèrent avec les femmes, ça c'est sûr et certain. Donc les gars, arrêtez avec vos excuses, parce que des fois, ils disent, ouais, mais pour faire partie du top 20%, il faut être au moins 1m85, et trucs ça, 1m80, il faut être grand, quoi, genre, ok? Non, arrêtez avec vos excuses, les gars. Tu peux faire partie du top 20%, quelle que soit ta couleur, quelle que soit, tu sois grand, petit ou pas, tu peux faire partie des 20%. Et je vais te donner exactement le plan pour pouvoir faire partie des 20%. Mais tu verras que personne ne va le suivre. Personne ne va le suivre. Parce que personne veut la vérité, en fait. Tout le monde veut un truc, genre un truc rapide, un hack, un truc machin. Il n'y a pas de secret. Okay, je vais te dire exactement. Il faut que tu enlèves toutes tes mauvaises habitudes et que tu les remplaces par les bonnes habitudes. Okay, donc ça veut dire que chaque jour, il faut que tu aies une routine. Chaque jour, il faut que tu aies une routine pour le sport, routine pour comment tu manges, ça veut dire routine, ça veut dire que tous les jours, bah, il y a un moment où tu vas au sport,
tous les jours tu manges correctement, tu manges bien, tous les jours tu as une routine sur comment manager son argent, où tu te formes, où tu développes des compétences sur l'argent. Okay, comment le gagner, comment créer un business, comment l'améliorer, c'est-à-dire commencer à lancer, comment augmenter ton chiffre d'affaires, comment améliorer mon marketing, etc. Tous les jours. Une routine sur comment être plus red pill, tu vois, comment vraiment comprendre la psychologie de la femme. Tu vois, ça, c'est un point important aussi, la communication. Tous les jours, tu dois apprendre ça. Quel livre tu dois lire par rapport à ça? Tu lis des livres par rapport à ça. Ok, tu peux t'entraîner à essayer d'accoster à froid une femme dans la rue. Et ça, évidemment, ce que je viens de te dire, bah, personne n'a envie de le faire. Ah, c'est relou. Personne n'a envie de le faire, ça. Ah, c'est relou. Voilà. Donc, personne ne va le faire. Et c'est ça la clé. Parce que là, tu dis, ouais, mais c'est n'importe quoi, blablabla. Fais ça pendant 6 mois et reviens me voir, on verra si jamais il n'y a rien qui a changé dans ta vie. C'est juste impossible, en fait. De la même manière que si tu manges du McDonald's tous les jours, tu as une routine McDonald's tous les jours, je sais que déjà, la fin dans 6 mois, comment tu seras? Bah, pas de secret. Bah, c'est la même chose pour le côté bon. C'est la même chose pour y avoir des bons résultats. C'est pareil. Et tu sais pourquoi je sais que dans 6 mois, tu seras dans la direction de faire partie des 20%? Tu sais pourquoi? Parce que tes compétiteurs, ils ne font rien. Pas compliqué. Tu es juste en train d'être en compétition avec des gars qui ne font rien. Donc, plus le temps va passer, plus ça va être en ta faveur. Les gars, plus les années passent, plus le temps passe, ils prennent du poids, ils font rien de leur vie, ils n'ont aucun objectif, ils vivent, ils vont juste aller métro, boulot, dodo, ils rentrent, ils vont dormir. Métro, boulot, dodo, ils rentrent, ils vont dormir. Toi, tu viens, tu commences à faire des petits trucs, boum, boum, t'es un peu plus frais, tu commences à faire un peu plus d'argent, t'es un peu plus confiant, etc., tu te mets propre et tout. Mais gars, c'est normal que les femmes, elles vont être attirées par toi. C'est pas du bon sens quand même. Non. Et en plus d'attirer les femmes, hein, même si j'ai envie de dire, non les gars, il n'y a pas que les femmes, les gars, soyez focus sur vous, ce sera déjà d'abord pour vous, je sais très bien que tu ne vas pas m'écouter. Ça sert à rien de le dire, mais je te le dis quand même, tu seras beaucoup plus confiant, tu seras socialement meilleur, tu auras de meilleures relations avec, je veux dire, tu auras plus d'opportunités avec pour faire du business, tu seras frais, ok, tu seras libre, ta vie entière va changer. En gros, tu seras une meilleure version de toi-même. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, les gars. N'hésite pas à mettre un j'aime et un j'aime pas si jamais tu n'aimes pas cette vidéo. On se revoit dans 6 mois de toute façon, ok? Donc les gars, si jamais tu veux atteindre les 5K par mois, j'ai ma formation Pirate Marketing, ok? Où tu peux y accéder sans sortir un seul euro de ta poche parce qu'elle est 100% financée, ok? 100% financée par le CPF. Alors le CPF, c'est un système qui a été mis en place par le gouvernement où tu cotises en fait si jamais tu travailles, si jamais tu es au chômage, tu es intérimaire, tu es entrepreneur, etc. Tu cotises, ok? Et tu cotises dans un compte qui s'appelle un compte CPF. Et avec cet argent-là, en fait, tu peux investir dans des formations qui sont éligibles au CPF. Ça tombe bien, Pirate Marketing est éligible au CPF, tu l'as bien compris. Donc du coup, comment tu fais pour savoir si tu as du CPF? Même si tu ne connais pas, c'est la première fois que tu entends ça, t'inquiète pas, j'ai tout prévu. Tout ce que tu as à faire, c'est de cliquer dans le lien qui est dans les commentaires. Tu verras, il y a écrit « Accéder à Pirate Marketing sans sortir un seul euro de ta poche okay ». Tu mets ton email et tu vas pouvoir atterrir sur un agenda. Okay, tu vas prendre rendez-vous avec Céline et Céline va faire le dossier pour toi. Okay, ce n'est pas compliqué. Voilà. Et tu n'as jamais payé là, tu n'as jamais sorti un euro de ta poche. Okay, moi, je serais payé par le CPF là. Voilà. Mais toi, tout est offert, tout est gratuit pour toi. Okay, et je sais qu'il y a des gens qui vont encore bégayer. Et après, ils vont me dire, mais pourquoi je ne suis pas parti des 20%? Mais pourquoi je galère avec les femmes? Ils vont regarder la vidéo, 4 conseils pour pouvoir te rendre irrésistible. 4 textos à lui envoyer qui va faire qu'elle va te répondre. Si tu ne travailles pas sur tous les points que je t'ai dit, ça ne fonctionnera pas. Donc, il faut juste passer à l'action et là, tu as une occasion. Voilà, en tout cas, à moins que tu veux faire de l'e-commerce, parce que moi, je ne te parle pas d'e-commerce. Dans la formation, je ne parle pas d'e-commerce, je te parle vraiment comment faire générer du cash en ligne. Ok, donc voilà, arrêtez de bégayer, les gars, passez à l'action, les gars, ayez un peu des coronesses, hein, faisons remonter un peu la courbe des testostérones, hein, parce que j'ai l'impression que, hein, on a dit que la testostérone, ça baisse de plus en plus, ce serait bien quand même que ça remonte un jour. Hein, je compte sur vous, les gars. Donc, tout est dans le commentaire épinglé. Passe à l'action et les gars, on lâche rien et on reste déterminés. Il y a eux et il y a nous. Je vais être ton camp.